Beaucoup d'entre eux ne survivaient pas à l'opération et mouraient en se vidant de leur sang. Coup dur. Les eunuques, ce sont des hommes à qui on a coupé les testicules. Alors je suis désolée messieurs, mais ça se faisait beaucoup jusqu'à il n'y a pas si longtemps. On le faisait encore en Europe il n'y a même pas 200 ans. On appelait ça les castrats, c'était des mecs qu'on castrait avant la puberté pour qu'ils gardent une voix aiguë et qu'ils chantent à l'opéra. Dans l'Antiquité, les eunuques étaient plutôt utilisés comme esclaves. En fait, on imaginait que la castration les rendait plus dociles, un peu comme les animaux domestiques, quoi. Couché! Les souverains s'en servaient aussi pour surveiller leurs épouses, puisque forcément, ils pouvaient pas... Enfin, ils pouvaient pas les... Voilà, enfin voilà, quoi. Résultat, en Grèce et dans l'Empire romain, on faisait un véritable trafic de jeunes hommes capturés chez les barbares et à qui on coupait les couilles pour en faire des eunuques. Au passage, ça permettait de les revendre plus cher. Enfin, à condition qu'ils tiennent le choc, parce que...